Et nous sommes de retour pour cette dernière game, dude. Allez. We have a Terran player. This is Happy. This is Happy and he's going to do Reapers into Alien, into Banshee, into Mecha, into Banshee, un peu plus de Banshee, into Battlecruiser, into game de 50 minutes. Ça, c'est son plan de jeu. C'est le seul joueur, on le sait dès le début. C'est trop ça. Et on de la map, Pig. Qui pour le moment galère, hein, les amis, hein, même si on a un partout. On a plus la sensation quand même ici que si Happy refait un Mass Mecha, ce sera pour Happy. Ouais. Plus que pour Pig. Ouais. Est-ce que ce sera pour Happy? Désolé. Ça fait péter le jeu de mots. Ah, désolé. C'est quand même ça. C'est. Donc en fait. Ouais, ça fait 7 heures de stream là quand même. On est combien encore là, Alex? Je vais pas faire le alt tab. 2100, okay. Big up à vous, 2100. Merci beaucoup de nous supporter alors qu'on commence à dire sérieusement de la merde. Clairement. Et que les games en plus se répètent un peu. Ouais. On voit l'amour de StarCraft en France. Merci les mecs. Sans compter tous les Français aussi qui doivent être sur le stream officiel, s'il doit y avoir aussi quelques-uns. Mm-hmm. Allez, la B2 qui a été posée. On a aussi la poule qui a été posée. Et puis on a un petit collecteur qui va partir tranquillement pour Happy. Donc au vu du positionnement de l'Overlord, je pense qu'il a pu supputer que ça venait plutôt du nord que du sud. Quand ça vient en fait de la droite, souvent l'Overlord vient ici et se redécale plus vers là. Donc normalement, il a déjà le positionnement sans réellement être allé scouter, les amis. Et le gaz qui a été posé. Donc Pig qui pour le moment suit son, son plan de jeu de base. Est-ce qu'on n'a pas eu un Reaper 11 là? Et est-ce qu'on n'aura pas un triple Reaper là-dessus là? Question que je me pose. On verra ça, s'il envoie le troisième ou pas. Et encore une fois, le petit bunker, hein, tranquille, on commence à connaître, je pense, du côté de chez Pig. Et à comprendre un peu comment est-ce que ça se passe avec Happy. Le premier Reaper qui va arriver pour dire non. Toujours le même timing. Pendant ce tour-là, on a aussi un petit collecteur qui va aller poser le CC. Et on agresse. Et troisième Reaper. Hein. Il a fait un kill de drone, je crois, pour l'instant, le Reaper. Ouais, pas mal. Il fait des kills, hein. Ah, mais le VCS est tombé. Le bunker ne se finira pas. Ça agresse ici encore une fois. Les drones qui sont au gaz. Attention, 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 attention. Le bunker qui ne se finira jamais. Il va pouvoir le revendre. Mais comme je disais, ça lui donne de la vision. C'est pour ça que pour le moment, il attend tranquillement. Pas de quoi se stresser, pardon. Troisième Reaper qui devrait rejoindre, c'est parce que j'ai la baraquement sélectionnée. Le baraquement sélectionné, c'est pour ça que vous voyez ce rally point ici. C'est parti, les Reapers qui vont donc repartir. Enfin, juste le temps de 3 secondes, hein, parce qu'il y a le troisième Reaper qui arrive, donc il n'y a aucune raison que l'agression s'arrête maintenant. Ok, troisième CC, réacteur Hélion pour Happy. C'est du connu, c'est du déjà vu. Mmh. Et Pic qui joue macro. Ça a déjà vu, qui était pas mal. Fantasy! Yeah! Fantasy! Un drone ici qui se fait attraper. Attends, déjà vu? C'est un film. Courage les gars, merci pour tout. Merci pour la donation, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sir Big Club. Up. En fait, attends, c'est un film. Je crois que je l'ai déjà vu. Il y a une histoire de voyage dans le temps en fait. Il y a une explosion qui se produit sur un bateau. Et en gros, il y a un système, on pourrait dire un peu informatique, qui permet de revoir les images dans le passé. Et du coup même Denzel Washington se retrouve dans le passé en fait et va donc revivre la scène alors qu'elle a déjà été vécue. Ouais, c'est ça, en fait, il me semble pitch. Que je l'ai alors c'est pas un jeu de mots foireux hein, mais je l'ai déjà vu. Ouais. Et non sérieux. Non mais c'était pas mal. Non mais c'était pas voulu. Et du coup et je crois que j'avais bien aimé. Ah ouais, moi j'avais trouvé pas mal. J'aime bien le revoir. J'aime bien ces histoires de science-fiction où le mec il revient dans le temps ou alors ouais moi aussi ou le mec il meurt et il revit la même scène ouais. Tu vois et c'est pour ça que j'ai adoré Edge of Tomorrow. Il y a même un film avec Edge of Tomorrow, j'ai bien aimé ouais. Galagan, alors je me rappelle jamais de son nom mais c'est celui qui avait fait Donnie Darko. Je sais c'est un vieux film, ça va peut-être pas dire à grand monde mais c'est un acteur que j'aime vraiment beaucoup qui doit être de notre génération d'ailleurs. Jack Gyllenhaal, c'est ça que t'as dit? Je l'ai vu, okay. C'est pas Code Source un truc comme ça si. Non
J'ai bien aimé. Avec le métro et tout là, on avait bien trouvé ça sympa avec ma copine. Ouais, c'est, il revit la même scène et il doit trouver le tueur, mais t'as une enquête dans une enquête et tout. Enfin, c'est. Et puis même à la fin, tu vois en fait lui-même. Enfin, c'est intéressant. Ouais. Il y a tout un. Bon, il y a... Non, j'ai rien dit. Calmons-nous. Puis je vais me faire agresser, quoi. Hein? Comment? Attends, mais c'est incroyable. Il a changé. C'est incroyable ce qui est en train de se passer là. On est reparti là-dessus, quoi. Ça doit être. Qu'est-ce que c'est? C'est du brain? Je comprends pas. C'est un. Ça peut pas être une erreur de lancer les poches ventrales et de l'annuler à chaque fois. Ça fait deux fois. Et là, poche ventrale plus carapace pneumatique. Donc là, il va full dropper les roaches et il se dit que c'est une solution pour taper les tourmenteurs avant qu'il arrive. Non, mais le pire, c'est que là, c'est bio. Et bio, c'est totalement différent. Hein. Genre bio, si t'as suffisamment de maraudeurs et de bio, tu massacres les roaches, quoi. Ouais. Et là, c'est limite l'erreur de Pig, c'est que Pig n'est pas allé se certifier parce qu'il a vu juste l'aptech ici, alors il s'est dit c'est bon, c'est ça. Et non. Petite erreur là, les tourmenteurs qui voient à droite qu'il n'y a pas de B3 pour le moment. Et le miracle se produit. Happy a changé de build order. Ouais. Et par bio. Mais tu sais que pour le fun fact, c'est quand même ce build order là qu'il a effectué quand il a perdu sur le canal de Nidus Roach. Alors, à voir. Ouais, là il voit l'agression. Alors on n'a pas checké, mais bon, il y a une énorme agression là. Très très grosse agression, Roach. Ouais. Il y a des overlords. Regarde, il envoie des overlords puisqu'il va les dropper. Mmh. Et c'est un all-in. Alors là, c'est la totale. Hein. Nidus, fromage, gruyère, sauce tomate, transport dans les overlords, Nidus. Enfin. Et un peu de pain. Too much. Comment? Et un peu de pain. Mais n'oublions pas la baguette. Et là, en fait, je pense que Pig, il est en train d'en avoir marre, tu vois. Du style de jeu de Happy. Pig, il veut attaquer. Moi, j'aime bien l'idée. Il est all-in et ça pourrait lui coûter la game. Hein. Ouais. Il va dropper. Il va y avoir un Nidus aussi quelque part. Le problème, c'est que la défense du jeu terrain, quand même. Oh, s'il arrive à choper le tank, mon gars, dès qu'il arrive, ça pourrait être vraiment pas mal. Il va sortir par où? D'accord, donc il devrait faire plutôt comme ça. Ouais, le Nidus qui est lancé dans la main. Attention, allez, on drop, on vient sniper le tank. Oh, est-ce qu'il peut le faire ici? Les VCS qui sortent, le Steam. Et là, Pig se dit, hein? Le Steam? Ouais, clairement. Tu connais cette upgrade, toi? T'as vu que c'était comboté avec un Nidus, papy? J'avais même pas fait gaffe dans le production tab, je suis désolé. Ah oui, voilà, c'est en train de le faire. C'est la win. Et c'est en train de le faire. Ouais. Et c'est en train de le faire. La victoire de l'Australie. Oh là de l'innovation. Mais quelque part, cette victoire, c'est aussi la victoire de l'innovation. C'est ça. Face à la répétition. On est dans un jeu de stratégie. Hein. Moi, franchement, je préfère que ce soit Pig qui gagne. Totalement. C'est pas méchant, les amis. C'est juste que c'est un jeu de réaction, quoi. C'est pour ça que. Mais il mérite. Qu'on est là, quoi. Il mérite. Dire, il mérite. Sinon, tu joues à Assassin's Creed, quoi. Et puis tu. Ou tu fais du. Tu sais ce que fait Mr. MV, là. Du speed game. Du speedrun. Voilà, toujours faire mieux dans ton build order, à toujours améliorer d'une seconde. Mais c'est pas ça, un jeu de stratégie. Un jeu de stratégie, c'est d'être le meilleur stratège. Allez, les roches, qu'embrouille tout ça. GG! Happy nous aura fait 4 games de 4 heures et au final. Et à chaque fois, c'est que. Super! GG! Bravo mon gars! Bravo mon gars! Tu l'as défoncé! Ouais! Tu l'as défoncé! Voilà, défonce-le! Mets un coup de boule sur ton écran! Ah, comment? Ah, bien joué, mec, bien joué! Ah, et là, Happy. Happy se dit, je comprends pas, j'ai pas fait la même stratégie. J'aurais dû faire la même stratégie que les 4. Ça devait marcher. J'aurais dû faire la même stratégie que les 400 games d'avant. Si je peux me permettre une réflexion, le défaut d'Happy, c'est que son autre build order est totalement en contradiction avec le make-up, parce que ça ne se complète pas. Ils ont les mêmes faiblesses, les deux build order, au même timing, 8 minutes, 9 minutes, les mêmes faiblesses. Psain. Donc c'est con. C'est dommage. Et là où il va s'en vouloir, c'est qu'à chaque fois. À chaque fois qu'il a joué Steam, il s'est fait cheese et il a perdu. Mais genre, moi, je suis lui, je fais bon, bah, ok, mecha, toutes les games. Genre, pourquoi je réfléchis en fait? Bon, faut le prévenir que c'est pas un BO5. Il peut se lever. Comment? C'est fini. Comment? Ouais, bon, ça troll un peu, je suis désolé, les amis.